Si on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. N'aie pas peur d'avancer lentement. C'est par cette citation, madame, monsieur, chers téléspectateurs, que nous ouvrons cette autre production de sagesse Camille sur les antennes de Kemet Télévision, qui voit justement le retour, le grand retour du frère Kombo Iboga Evanga, qui après un long séjour du côté du village Mignebe, par Ngoulmakon, région du sud du Cameroun, n'est-ce pas, et qui a contribué à participer justement dans la construction du site qui abritera les initiations au rite Buti. Otef frère, et bienvenue, très heureux de te retrouver ce matin après cette longue absence qui est justement justifiée. Oui, merci Otef, Otef frère Niamsi, Otep à la régie, Otep à tous les frères Kemet qui nous regardent ici, Otep à tous, tous les Africains. Voilà, après un long séjour du côté du village Mignebe, je l'ai dit, nous avions d'ailleurs fait une incursion dans ce village à l'occasion, n'est-ce pas, des initiations qui se sont déroulées à cette période-là justement. Alors, dans l'ensemble, comment le site va? Est-ce que le site est prêt pour recevoir les candidats à l'initiation au Buti? Et pour ceux qui, dont on a trouvé en pleine initiation, comment est-ce que ça s'est passé? Nous l'avons déjà dit pendant qu'on était sur place, on a dit que spirituellement, le site est prêt. Il demeurera prêt. D'accord. Bon, maintenant, du point de vue, des infrastructures, on est en train de s'améliorer. Chaque jour, on avance. Et certainement que quand le moment sera arrivé, quand, Kemet Colonie va arriver sur place. C'est devenu Kemet Reconnexion. Ah, d'accord. C'est devenu Kemet Reconnexion. C'est bon, plus expressif. Tu comprends que. Et plus représentatif. Oui, mon absence m'a fait perdre. M'a fait rater certains épisodes. Donc, Kemet Reconnexion. Quand, il va arriver, quand nos frères vont arriver sur place, ils verront qu'on les attendait, beaucoup de choses ont été faites pour cela. Donc, le village va bien. Les gens qui travaillent avec nous et qui sont sur place, ils sont, je n'ai pas laissé des grands malades là-bas. Ça va, on avance et bientôt, les choses seront au très, 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 très bon niveau. D'accord. Et pour les candidats justement qui ont subi cette initiation, parce qu'il faut dire que nous sommes arrivés pratiquement au milieu de l'initiation, nous ne savons pas comment ça s'est terminé. Et la thématique du jour justement, c'est l'après-voyage initiatique au cœur du Buti, parce que ici tu nous avais parlé des conditions d'éligibilité, tu nous avais parlé également de l'initiation proprement dite. Et nous, la préparation à l'initiation. La d'abord, préparation à l'initiation d'abord. Maintenant, l'initiation, le déroulé de l'initiation, du processus initiatique maintenant. Mm-hmm. Et certainement, il y a un poste, n'est-ce pas? Il y a des recommandations post-initiation parce qu'on devient un nouvel homme. La véritable notion de né de nouveau, c'est là où on la retrouve. Elle est réelle d'autant plus que vous êtes rebaptisé, vous avez un nouveau nom, un nom qui ne vous est pas donné par votre père, qui ne vous est pas donné par votre mère, qui ne vous est pas donné par un ami, qui ne vous est pas donné par un être sur terre, c'est-à-dire comme moi, comme Niamsi. Non, c'est un nom que vous ramenez vous-même de l'autre côté, parce que ayant rencontré votre alter ego, votre ange gardien, il vous révèle quelle est votre véritable identité, qui vous êtes. Il vous dit ce pourquoi vous êtes venu sur terre, il vous réoriente la vie et il voit là où il y a eu des erreurs, puisque toi, tu y vas avec ces plaintes-là, tu y vas avec ces aspirations-là, il organise les choses pour que tu rentres satisfait. C'est ainsi que il y en a qui sont arrivés ayant pour objectif, d'abord, comme tout le monde d'ailleurs, la reconnexion, mais aussi avec des soucis comme des maladies, avec des aspirations, je veux dire, socio-professionnelles, avec des aspirations spirituelles, n'est-ce pas? Ils y vont, et puis, ils rencontrent leur ange gardien, ils y rencontrent leurs ancêtres, ils y rencontrent des divinités, c'est-à-dire des êtres célestes, n'est-ce pas? Qui
n'est-ce pas, leur arrange la vie, résolve les problèmes pour lesquels ils sont partis, bref, leur donne ce qu'ils sont allés chercher. Donc ainsi, quand on revient avec des normes, nous avons, n'est-ce pas, dans l'intrusion, l'émission qui parle de l'intrusion, n'est-ce pas, au rite initiatique, vous avez trouvé sur place 4 candidats, n'est-ce pas? Il y avait une sœur qui sortait, n'est-ce pas, de Paris, qui sortait de loin. D'ailleurs, tu as eu à l'interviewer. Il y avait un frère ici qui sortait, lui, de Douala. Et il y avait un autre jeune homme qui, lui, vit à Yaoundé. Mais tous ayant connu le Komibora avec ses capacités-là, à travers, n'est-ce pas, le canal de Kemet TV. Et il y avait finalement ma propre fille. Et je vous ai dit, chacun est venu avec ses aspirations. Il y avait effectivement pour tout le monde la reconnexion, n'est-ce pas? Et le besoin de se connaître, de se découvrir. Et aussi, il y en avait qui avaient des problèmes de santé, n'est-ce pas? Il y a eu, même après ces 4 premiers initiés, une 5e initiation de quelqu'un qui sortait lui aussi de loin, qui sortait d'Allemagne, qui est un sportif, qui chacun est rentré avec, je vais dire, la satisfaction. Bon, d'accord, frère, raconte. Oui, 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 bien sûr. D'organiser, n'est-ce pas, de t'organiser, puisqu'ils sont tous passés par toi, n'est-ce pas, de les appeler pour qu'ils fassent chacun son témoignage de sa propre bouche, comme tu avais eu à le faire pendant qu'ils étaient encore assis sur les nattes. D'accord, avant qu'ils ne soient là, toi qui justement les a passer au pain fin concernant l'initiation, tu vas quand même nous raconter comment cette initiation s'est achevée, parce que dans l'interview, ils nous ont dit comment ils se sentaient et comment ça se passait. Maintenant, comment est-ce que cette initiation s'est terminée? Est-ce qu'ils ont rencontré leur ange gardien? Est-ce qu'ils sont sortis de là avec les noms? Et quelle est justement la signification? Si oui, quelle est la signification des différents noms qu'ils ont eus? Et notamment, la petite fille, je suis très curieux de savoir, la petite fille de 6 ans, comment ça s'est passé avec elle? A-t-elle également fait ce voyage initiatique? A-t-elle rencontré son ange gardien? Est-elle revenue avec des informations? On veut savoir. Oui, je vais aller au cas par cas. Bon, en fait, nous avons 5 cas, mais 2 cérémonies différentes. Elles étaient justement très rapprochées. Donc, dans la première cérémonie, ils étaient un nombre de 4. Ils étaient 4 candidats. Donc, une dame qui, je disais tout à l'heure là, qui venait de la France. Qui venait de France, qui venait de France, de Paris. Il y avait un jeune homme qui, n'est-ce pas, vit au Cameroun, à Douala, dans la ville de Douala, que nous connaissons tous. Un autre jeune homme, le plus jeune en âge de ces étrangers qui sont venus, et lui vit à Yaoundé. Et enfin, ma fille. Donc, pour la première cuvée, je vais l'appeler ainsi. Et même le dernier qui venait d'Allemagne. Non, le dernier qui venait d'Allemagne, lui, sa cérémonie est survenue une semaine après les autres, d'accord. N'est-ce pas? Bon, alors, déjà, nous avons dit que, tel qu'on vous l'a dit dans les premières émissions où on a parlé, n'est-ce pas, des origines de la spiritualité bouti, après nous sommes passés aux conditions de l'éligibilité, n'est-ce pas, et la préparation, et maintenant au déroulé, n'est-ce pas, du processus initiatique proprement dit. Donc, nous sommes passés par toutes ces étapes-là, c'est-à-dire qu'on a fait des consultations pour les uns et les autres, pour savoir ce qu'il fallait faire pour qu'ils soient admis, n'est-ce pas, au processus d'initiation, et donc les mettre dans l'étape de la préparation, bien qu'il y ait eu juste en position, compte tenu du temps qui nous était imparti, parce que les gens d'aujourd'hui, ils sont beaucoup pris par le temps, il y a beaucoup d'affaires, nous sommes dans une société où la vitesse nous impose, n'est-ce pas, des changements de comportement, qui parfois nous font escamoter, n'est-ce pas, certaines choses. Bon, mais toujours est-il que les choses se sont très, très, très bien passé. C'est ainsi que pour la dame qui sortait de loin, je ne vais pas beaucoup m'étendre sur son cas. Je vais déjà vous dire qu'elle a ramené son nom. Elle a ramené son nom. Son nom, c'est Mbiamyanga. Mbiamyanga qui veut dire le tigre. Bref, c'est un soldat céleste, c'est un soldat spirituel qui a pour attribut la protection, n'est-ce pas, des individus, la protection des lieux. Donc, quand elle travaille, quand elle travaillera désormais dans le temple, elle sera assise à la place, à l'entrée. Donc, c'est elle qui contrôle, qui entre, qui sort. Un peu comme on parle, n'est-ce pas, du dieu Anubis.
Un peu comme on va dire le gardien. En Égypte ancien, oui, oui. N'est-ce pas, n'est-ce pas le gardien du seuil, n'est-ce pas? Bien. Maintenant, elle avait d'autres soucis, c'est-à-dire qu'elle se sentait un appel spirituel, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'elle est rentrée, n'est-ce pas, avec des attributs spirituels de quelqu'un qui peut désormais, comme moi, commencer à prendre, à soigner, n'est-ce pas, à encadrer les autres, accompagner les autres spirituellement. Mais il va falloir maintenant que elle se soumette d'abord à la formation, n'est-ce pas, qui va permettre que elle soit véritablement capable de poser la main sur quelqu'un. C'est vrai que pour le moment, elle peut faire certaines choses guidée par moi. Bon, malgré le fait qu'elle soit à distance, j'ai quand même pris le soin de lui transférer un certain nombre de pouvoirs qui donnent certaines capacités. Par exemple, celle de sanctification. Je vais m'arrêter d'abord là. Elle peut déjà sanctifier. Elle peut sanctifier. Elle peut bénir certaines choses, certains objets. Je lui ai dit de ne pas commencer à faire fort parce que c'est un travail dangereux. Oui, c'est un travail dangereux. Qu'elle ne soit pas trop enthousiaste, qu'elle y aille mollo. Et je crois qu'elle va m'écouter. Je lui ai donné des attributs qui lui permettent de prier. Je lui ai donné, n'est-ce pas, ce que vous appelez le maracas. Je lui ai donné le petit balai avec lequel nous parlons à Dieu. Mm-hmm. Donc, elle a désormais la capacité de s'adresser à Dieu. Je lui ai donné un certain nombre de codes pour qu'elle puisse prier étant chez elle sans qu'elle ne soit plus obligée, n'est-ce pas, d'abord recourir à moi. Sauf si le cas est trop sérieux, sauf si elle a un souci un peu trop fort, un peu trop grand. D'accord. Donc, ça, c'est le cas de Mbiam Yanga. Elle rentre satisfaite, oui, tout de même. Oui, oui. Très, très, très satisfaite. D'accord. Elle m'a même fait beaucoup de propositions. Je lui ai dit, bon, nous sommes au début, alors on va y aller pas à pas. Mm-hmm. Voilà. Donc, ça, c'est le cas de Mbiam Yanga. Maintenant, le jeune homme qui sont de là. On va prendre juste trois cas pour ne pas s'apesantir beaucoup. Oui, oui, bien sûr. Bien donc, sûr. On va prendre le cas du jeune homme et on va prendre le cas de la petite fille. Donc, je suis curieux de savoir. Bien. Alors, dans le cas du jeune homme, lui, il a ramené le nom Avingo. Et il avait un souci particulier, il avait des problèmes d'intégration sociale, il avait des problèmes d'intégration professionnelle, mais il avait aussi surtout des problèmes, n'est-ce pas, d'un point de vue sentimental. Il voudrait savoir, il voulait savoir si il aura la chance de rencontrer, n'est-ce pas, l'être aimé, c'est-à-dire le double, n'est-ce pas, son partenaire de vie, son compagnon de vie, tant du point de vue de la vie ordinaire que du point de vue de la vie spirituelle. Et aussi de savoir s'il aura une descendance. Il est rentré, on lui a montré une femme, on lui a montré dans son voyage initiatique on lui a montré une femme. Il m'a demandé est-ce que c'est réel que cette femme va la rencontrer. Je lui ai dit, dans mon cas, la femme qui est dans ma maison à l'heure actuelle, je l'ai vue très 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 longtemps avant que je ne la rencontre. Et ça là, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Il y a beaucoup de choses que j'ai vécues longtemps, longtemps, des décennies avant, n'est-ce pas, de les vivre en temps réel, de manière cristal. Donc, lui, c'est Avingo, qui a la capacité, qui est un intercesseur, c'est-à-dire quelqu'un qui peut changer, n'est-ce pas, la situation de quelqu'un à travers la prière. C'est-à-dire que s'il s'investit, n'est-ce pas, dans le travail spirituel, dans le carré du Bouti, il sera un prêtre. Ah, d'accord. Voilà. Bon, n'est-ce pas, pour revenir, arriver au cas de la petite, qui semble beaucoup te captiver. Oui, justement, 6 ans déjà, et être initié, ça, il faut le faire. Non, quand on a un père initiateur, voilà, n'est-ce pas, on ne peut pas échapper à ça. Et avec elle, comment ça s'est passé? Avec elle, bon, déjà, je ne l'initiais pas pour elle-même. Je l'initiais pour ma mère, ma défunte mère. Ma mère est décédée le 22 juillet 2003. Ma fille est née le 7 février 2018. C'est-à-dire qu'elle a... Donc plus de 16 ans, 17 ans par là, après. Voilà, après. Bon, je n'ai pas en réel actuellement une photo. Elle n'a jamais vu une photo réelle de sa grand-mère. Parce que j'ai eu des soucis de déménagement pendant... comme ça se passe souvent, on perd beaucoup de choses. On perd beaucoup de choses. C'est maintenant que je suis en train d'essayer de retrouver des choses pour faire des photos agrandies de ma mère, des portraits. Donc, ma fille n'a jamais vu le visage réel de sa grand-mère.
de sa défunte grand-mère. Elle ne l'a jamais vue. Alors, quand elle revient, elle me dit, papa, j'ai rencontré grand-mère. Elle avait les cheveux courts. Effectivement, quand ma mère décédait, elle avait les cheveux courts. Mm-hmm. Et elle était très contente de me voir. Et elle m'a dit, de me transmettre, de beaucoup prier pour elle. Puisque je vous ai dit que c'était dans le but, n'est-ce pas, d'atteindre la capacité, la possibilité de faire vivifier son cas. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'elle demande qu'on continue à beaucoup prier pour elle. C'est ça qui va permettre qu'elle avance. Et le plus curieux, c'est que mes deux derniers enfants, parce qu'elle est l'avant-dernière, à elle, j'avais donné mon propre nom. C'est elle qui s'appelle Ella. Bah, à ta fille de 6 ans. Ma fille de 6 ans. Mm-hmm. C'est à elle que j'avais donné mon nom. C'est-à-dire Ella Akamba, Joël Thierry. C'est le nom qu'elle porte. Mm-hmm. Je me souviens que son frère aîné n'a pas accepté que je lui donne intégralement mon nom. Mm-hmm. Et maintenant, mon dernier enfant, qui est un bébé de 15 mois, qui est un garçon, c'est plutôt à lui que j'ai donné le nom de ma défunte mère. Donc de sa grand-mère. De sa grand-mère. Mm-hmm. Alors ma fille, revenant de retour de son voyage initiatique, me dit que grand-mère lui a demandé de me transmettre, d'intervertir le nom. Que c'est elle plutôt qui devrait porter le nom de Akamangba Rosette, qui était le nom de ma défunte mère, et que mon bébé, le garçon, le dernier, c'est à lui que je dois donner mon nom. Donc, ça fait que c'est maintenant le bébé qui devra s'appeler désormais Ella Kamba Joël Thierry. Mm-hmm. Et que maintenant, la fille de 6 ans qui s'appelait Akamba déjà Rosette. Oui, que c'est elle maintenant que je vais appeler. C'est elle maintenant que je vais appeler Akamba Ngba Rosette. Donc, je me suis demandé, et je voudrais vous poser cette question. Est-ce que vous pensez qu'un enfant de 6 ans soit capable de monter une telle histoire? Non, pas du tout. Donc, c'est pour dire que... Et comment ça va donc se passer, puisque tu avais déjà établi, par exemple, les actes de naissance des enfants? Je suis obligé de changer. Carrément. Oui, je suis obligé de changer. Parce que nous avons cet enseignement, c'est dans le bouti, que ce que un défunt, l'information qui vient de l'au-delà, ne doit pas être négligée. C'est des choses qui sont de nature à affecter sérieusement le cours de la vie de ses enfants. Donc, je suis obligé de respecter cette ordonnance-là. N'est-ce pas? Je dois m'y soumettre. Ça fait que désormais, je les appelle chacun selon que sa mère, sa grand-mère a dit. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est ce que nous recommandons à tout le monde. Quand on a une information qui sort d'outre-tombe, qui sort de l'au-delà, il faut la respecter. Parce que sinon, on va voir des choses qui vont se passer. Ça veut dire aussi que tu n'as pas pris l'information au préalable pendant la naissance. C'est ça que ça veut dire. Mm-hmm. Parce que j'ai donné le nom, j'ai donné les noms, n'est-ce pas, avec le sentiment, avec, n'est-ce pas. C'est vrai que je m'étais dit que mes frères avaient déjà donné les noms, n'est-ce pas. Mes frères avaient déjà donné les noms de notre mère, le nom de notre mère à leurs enfants. Bon. Tu as voulu quand même un peu changer. Je n'ai pas jugé nécessaire tout de suite, n'est-ce pas, de donner aussi le nom à l'enfant. Bon. Mais, et aussi, je n'étais plus très sûr de vouloir faire un autre enfant. Cet enfant, ce dernier enfant, est quand même arrivé. Et je me suis dernier de 15 mois. Le dernier de 15 mois. Mm-hmm. Je me suis dit, bon, s'il est arrivé, et un garçon de surcroît, il se trouve que mes deux frères avaient déjà donné des noms à leurs enfants qui étaient des garçons tous. C'est-à-dire que, en définitive, mes deux frères ont donné des noms, le nom de notre mère à des garçons. Mm-hmm. Et moi aussi, quand le mien, le dernier, arrive, je donne aussi un nom, le nom de ma mère, à ce garçon. Ça fait qu'on était convaincus que notre mère n'aura d'homonyme que des garçons. Des garçons, d'accord. Hein? Alors, c'est après le voyage de cet enfant que je comprends que notre mère a quand même voulu qu'une fille de sa descendance porte son nom. D'accord. Et c'est pour ça qu'elle insistait. Mmh. Mmh. Donc, c'est pour ça que je dis, nous sommes obligés de nous soumettre à cette recommandation. Exactement. Et pendant tout le processus initiatique, comment la petite s'est-elle sentie?
Est-ce qu'elle n'a pas eu des malaises? Est-ce qu'elle n'a pas fait de maladie? Est-ce qu'elle n'a pas pleuré? Elle n'a pas pris peur dans tout ce que tu faisais, qui était quand même très impressionnant. Nous y étions, notamment à la... Il ne faut pas avoir peur des mots, qui étaient durs. Oui, qui étaient durs, voilà, qui étaient durs, justement. Notamment, notamment... Appelle le chat par son nom. Notamment à la rivière, vraiment, elle m'a fait de la peine quand je voyais comment on la traitait. Ce n'est pas qu'on traitait mal, non, mais non. C'était le passage obligatoire par lequel, en justement... En réalité, il faut dire à l'humanité, il faut dire aux êtres humains que quand on parle d'initiation, c'est une succession d'épreuves. Mm-hmm. Oui, des épreuves physiques, des épreuves spirituelles. Parce qu'on ne connaît pas l'au-delà avec en buvant du lait. On ne connaît pas les mystères, on ne connaît pas l'invisible en buvant du lait. L'initiation est dure à tous les points de vue. C'est ainsi que la manducation du mando, de la manducation du bois sacré est difficile parce que le bois sacré est amer. Mais alors il faut le dire, il est amer. Et cependant, c'est la clé. C'est la clé. C'est en mangeant le mando, en mangeant du bois, en mangeant le bois sacré, que les portes s'ouvrent. C'est à ce moment-là que les sens s'ouvrent. C'est à ce moment-là que les yeux s'ouvrent. C'est à ce moment-là que les oreilles s'ouvrent. C'est à ce moment-là que les sens, n'est-ce pas, sont connectés à la dimension mystique à laquelle nous voulons te connecter. Et justement, pour faire le parallèle, quand vous êtes dans une classe d'examen, ce n'est qu'une succession d'épreuves jusqu'à obtenir ton diplôme à la fin, voilà. En fonction de comment est-ce que tu as traversé et passé ces épreuves-là. Voilà. Donc, pour faire le parallèle, que les gens ne pensent pas peut-être que... C'est quand on parle de reconnexion. Mm-hmm. En réalité, les lois de la vie, les lois de la création, ont été l'avènement de l'être humain dans le plan divin, le plan de Bouti, n'est-ce pas? L'avènement de l'être humain, c'est qu'il devienne Dieu. Or, on ne devient pas Dieu, n'est-ce pas, en se vautrant dans un lit, n'est-ce pas, moelleux. Non, n'est-ce pas? Il faut comprendre que le plan a été que, quand on vienne à l'existence, de quelque race qu'on soit, de quelque lieu, de lieu géographique qu'on est né, on est avec un programme. Et cette naissance programmée voudrait que, ayant oublié, parce qu'on a traversé l'océan d'oubli, qu'on se reconnecte. D'accord. La notion de reconnexion a deux sens. Celle du sens où on a parlé de qu'émette reconnexion, c'est-à-dire qu'on revient pour dire on revient aux sources. Maintenant, à la reconnexion réelle à son identité, à son essence mystique, à son essence spirituelle, en allant à la rencontre de son ange gardien pour savoir ce qu'on est venu sur terre. Parce que c'est lui qui va nous guider, c'est lui qui va donner les informations qui vont nous permettre de désormais recommencer à marcher, et à marcher sereinement, à marcher avec assurance sur la terre sur laquelle nous vivons. N'est-ce pas? C'est ça le but, n'est-ce pas, de l'initiation. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir qu'à travers le monde, la plupart des véritables religions, n'est-ce pas, ont ce rite qu'on appelle le baptême, qui est la reconnexion, qui te permet de te river à nouveau. J'en ai parlé ici. Quand un enfant sort du sein de sa mère, on coupe le cordon ombilical, n'est-ce pas? Or, c'est ce cordon ombilical qui le liait, n'est-ce pas, au placenta, qui lui permettait de recevoir la nourriture, l'alimentation, la vie, l'énergie de sa mère pendant qu'il était dans le ventre. Maintenant, on le coupe, n'est-ce pas, physiquement, de ce cordon ombilical, donc de sa mère. Parce qu'on dit qu'il a déjà une vie physique autonome. J'ai dit bien vie physique. Il a déjà une vie physique, une vie charnelle, n'est-ce pas, autonome. Mais maintenant, il y a encore à faire pour reconnecter à la dimension mystico-spirituelle. Parce qu'on n'est pas un être physique, on est des êtres spirituels habitant un corps physique, n'est-ce pas? C'est ça le processus, c'est ça la loi, c'est ça les lois de la création. Alors, quand on est donc déjà né et qu'on doit se reconnecter à ses origines mystico-spirituelles, il faut des expériences de passage, qui sont généralement des épreuves. Reconnaissons que la naissance, elle est douloureuse. La naissance est douloureuse pour deux individus. Pour la mère qui est en train d'enfanter, on connaît ce qu'on appelle le travail qui est douloureux. La grossesse même, elle était lourde, elle était difficile parce qu'une femme enceinte n'est jamais très, 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 très en santé, n'est-ce pas? En plus, ça, il y a beaucoup de craintes parce que est-ce qu'elle va bien accoucher? Et maintenant, quand l'enfant sort, le fait qu'on coupe le cordon ombilical est douloureux.
N'est-ce pas? Et c'est pour ça que l'enfant crie, pousse des cris pour dire, je peux déjà respirer par mon propre corps, par mes propres poumons. Par mon propre gré. Mais il y a encore autre chose à faire parce que la dimension spirituelle étant, y a été coupée et doit être rétablie avec des codes de ceux qui connaissent les initiés. Ce qui me plaît, c'est que tu parles comme si tu étais avec nous et sur le plateau ici hier, lorsque Sa Majesté Wendo Mabou expliquait justement que lorsqu'on sort du ventre et qu'on baigne dans cet océan d'oubli, il y a une reconnexion qu'il faut faire en activant, n'est-ce pas, l'énergie qui stagne en nous, ces énergies-là qui stagnent. Il faut une reconnexion, oui. Il faut des codes, il faut des initiations, oui. Il faut des initiés, n'est-ce pas, capables justement de le faire, se reconnecter avec sa vie spirituelle, parce qu'on vient du spirituel avant de se manifester physiquement. C'est exactement cela. Donc, on est des esprits, l'être humain, nous sommes des esprits d'abord, n'est-ce pas, et nous habitons, n'est-ce pas, encore physique. Et il faut se dire que on va rentrer encore dans cette dimension spirituelle quand on va passer des vies à trépas. Alors, il faut alors que la fonction spirituelle qui est notre essence première ne cesse de fonctionner pendant tous ces séjours, parce que ça risque de nous faire des problèmes post-mortem, n'est-ce pas? Quand on ne sera plus dans le monde physique, qu'on sera rentré dans notre véritable essence, dans notre véritable être, on sera égaré parce que on sera étranger de là où nous venons. Étranger de là où nous sommes, nous venons, alors que c'est le chez nous. On sera étranger dans un chez nous que nous avons oublié parce que étant éloigné et ayant été égaré, distrait, parce qu'on ne connaissait pas l'eau, on n'a pas été guidé, on n'a pas été enseigné. D'accord, il faut donc cette reconnexion-là sur le plan physique. Donc, c'est-à-dire que la dimension spirituelle soit toujours connectée avec la dimension physique. Pour que quand tu vas passer donc de vie à trépas, qu'il y ait une reconnaissance même de ceux qui se sont avancés avant. Exactement. Et que encore que ceux qui sont avancés avant viendront toujours t'attendre, mais tu ne les reconnaîtras pas. D'accord. Tu risques de ne pas les reconnaître parce que nous comprenons. C'est pour ça que vous entendez parler des âmes errantes. Errantes, voilà, c'est exactement c'est ce que vous entendez parler, je vous l'ai dit, les âmes qui errantes. Des âmes errantes parce que ne comprenons pas les codes. Parce que ça se passe, pour prendre un exemple plus clair, n'est-ce pas, la notion de phare dans la mer, pour guider les bateaux, n'est-ce pas? En réalité, la bonne vie spirituelle pendant notre existence, n'est-ce pas? Les bons enseignements, la bonne formation spirituelle pendant notre existence permet que, quand nous allons passer des vies à trépas, nous puissions percevoir le phare, n'est-ce pas? Qui va nous dire, il y a des secrets là, il faut éviter, il faut plutôt marcher comme ceci, parce que passer de l'autre côté, c'est comme traverser un océan, n'est-ce pas, qui va à de l'autre bord, n'est-ce pas? Or, quand on traverse l'océan, on ne connaît pas le fond de l'océan. L'océan, le fond de l'océan peut être très accidenté. C'est pour ça qu'on entend souvent parler des navires, n'est-ce pas, qui ont coulé, qui ont chaviré, n'est-ce pas, qui ont chaviré, qui ont coulé. Ça arrive aussi aux âmes humaines qui n'ont pas eu la culture mystico-spirituelle suffisante pour savoir comment se comporter quand ils vont partir de leur corps physique. Ça veut tout simplement dire que si tu ne vois pas la torche qui éclaire le passage, étant donc étranger à ce que tu vois, tu es obligé donc de rentrer. Et par tu risques de prendre peur. Quand tu rentres ton âme va donc aller où? Voilà. Il va par conséquent errer. Et elle va errer. L'âme errante est un danger pour les êtres vivants. Parce que cette âme errante va vouloir rester attachée à la dimension physique. Mais n'ayant plus de véhicule physique pour vivre, va forcément chercher où entrer. On parle donc des cas de possession. On parle des cas de hantise, hantise des lieux, possession en termes de d'être. Donc, il cherche un être humain qui a certaines similitudes avec son comportement, sa vie. Parce que la loi voudrait qu'il s'assemble, se ressemble, n'est-ce pas? Il va chercher quelqu'un avec qui il a des affinités comportementales. Et c'est dans ce corps-là qu'il va entrer et il va exacerber les penchants négatifs, n'est-ce pas, de cet individu. Vous allez voir par exemple des cas des individus qui, on dit d'eux, qui sont des ivrognes. On dit certains individus qui sont des ivrognes. Or, ce n'est pas tant que ça qu'ils boivent beaucoup. Parce que l'esprit n'a pas besoin de beaucoup boire. L'esprit se contente des effluves.
N'est-ce pas? Mm-hmm. C'est pour ça que vous voyez cette culture des Africains, n'est-ce pas? Avant de boire, ils versent quelques gouttes au sol, mm-hmm. n'est-ce pas? C'est pour dire qu'ils partagent avec les aînés mm-hmm. spirituels, en commençant par la terre elle-même qui est le premier aîné, mm-hmm. n'est-ce pas? Alors, et les ancêtres qui sont partis, n'est-ce pas? Et comprenez que ces petites gouttes sont largement suffisantes pour les esprits. Alors, cet esprit-là, qui aimait par exemple l'alcool, n'est-ce pas? Va chercher un autre qui a un penchant alcoolique, mais lui maintenant va exacerber le voilà, penchant justement. Alcoolique de celui qui qu'on savait qu'il boit un peu, mais il va devenir comme accro à la boisson. C'est-à-dire quand il est lucide, lui-même se pose des questions de savoir voilà. qu'est-ce qui lui arrive souvent. Voilà. Mais n'empêche voilà. que chaque fois il retombe dans une rigole, n'est-ce pas? Quand c'est le cas d'une femme, on la trouve dans une rigole et tout peut se passer. Vous pouvez sur mon regard. Mais est-ce qu'on peut aussi expliquer la prostitution, par exemple, des femmes que tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce qui lui manque pour faire autre chose que la prostitution? Ça aussi, donc, c'est toujours un cas mettre de prostitution. Ça sur le coup oui, des âmes. C'est ça que nous appelons, c'est ça que vous m'avez entendu appeler ici un kinda. Mm-hmm. C'est-à-dire que ces petits démons-là qui nous dérangent la vie, c'est aussi le cas de certaines personnes qui vous font ce qu'on appelle les couches de nuit. C'est vrai que certaines couches de nuit sont faites par des vivants. N'est-ce pas, qui connaissent des codes dans ce qu'on appelle les formes pensées, pour voyager. N'est-ce pas, qui peuvent se déporter pour essayer d'aller abuser d'un homme dans le cas d'une femme, ou bien d'une femme, et même les deux, oui. parce qu'il y a, vous savez qu'il y a les gens qui ont la bipolarité, mm-hmm. n'est-ce pas, mm-hmm. alors c'est vrai que ça aussi, ça s'explique. Des gens, un peu ce qu'on appelle la nymphomanie, mm-hmm. n'est-ce pas? Une certaine nymphomanie est due au fait que quelqu'un soit possédé. Mm-hmm. Et même les kleptomanes, les gens qui veulent même que courir, la kleptomanie, pas parce qu'il manque soigne. Quelque non, chose, non, 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 mais c'est juste qu'il y a un esprit en lui qui le pousse chaque fois à prendre des choses même insignifiantes. Mm-hmm, d'accord. Ça, ce sont les esprits, ça, ce sont des âmes qui errent. Des âmes errantes, par exemple. Par conséquent, il faut être connecté étant physique avec sa dimension spirituelle oui. pour justement éviter qu'après la mort on se trouve dans cet état de choses, on se trouve dans cet état de choses et que ton âme oui. est puis, c'est pour ça que en réalité moi j'ai coutume de dire que comme les gens l'appellent ainsi dehors là les religions, j'ai dit une religion sans véritable mystique n'est destinée qu'à égarer l'humanité. C'est pour ça que en réalité une religion doit être mystique. Un mouvement spirituel doit être véritablement mystique. Connaître la réalité du monde invisible, mm-hmm. leur mode de fonctionnement, pour être capable maintenant de guider l'humanité avec laquelle nous vivons. Exactement. Les vrais prêtres doivent connaître les réalités du monde invisible. Mm-hmm. N'est-ce pas? Ils doivent connaître les codes de fonctionnement du monde invisible pour mieux vivre dans notre monde physique. N'est-ce pas? Et ça fait que nous vivons dans le monde physique, en préparant notre arrivée dans le monde invisible, quand nous allons passer des vies à trépas. D'accord, nous allons prendre très rapidement une transition, qui est la bande qui annonce justement que mettre reconnexion. Et afin d'entrer dans le vif du sujet, même comme nous avons déjà commencé à parler de ce vif du sujet-là, mais nous allons poursuivre quand même. Donc nous prenons cette bande annonce et on se retrouve juste derrière pour poursuivre l'échange. A tout de suite. À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour que Kemet Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro +237 695 84 53 89 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Kemet Reconnexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. Ah,
À chaque fois que je regarde cette bande ici, elle est très amusée. Alors, pour nous prouver que c'est toi, tu nous reprends ce cri-là. Badima, comment manganga bokaye? Aïe! Voilà, frère, l'après voyage initiatique au cœur du Beauty, nous allons voir après l'initiation, les nouveaux initiés, qu'est-ce qu'ils deviennent par la suite sur le plan comportemental, dans un premier temps pour eux-mêmes, dans leur famille et même en société, sur le plan socio-professionnel et sur le plan spirituel. Comment est-ce que ça se passe, le voyage, l'après-voyage initiatique au cœur du Beauty? Bien, l'après-voyage initiatique dans le Beauty, n'est-ce pas, d'abord impose au maître initiateur, n'est-ce pas, de vous blinder. C'est comme ça qu'on appelle ça généralement chez nous, c'est-à-dire de vous rendre inattaquable d'un point de vue mystique, par les ténébreux. Ah bon? On ne va pas appeler ça un bonus, c'est tout simplement... Ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Mm-hmm. Parce que la vérité est que quand on prépare l'homme à l'initiation, à aller dans l'au-delà, on ouvre beaucoup de portes de son âme, ce que les autres appellent les chakras, n'est-ce pas, les portes de l'âme. Et ces portes-là font que les ténébreux, qui sont suffisamment forts pour se rendre compte que vous êtes ouvert et vous devenez donc fragile. Et vulnérable. Donc fragile, vulnérable. Mm-hmm. On peut vous atteindre facilement. Alors, heureusement que pendant la préparation, vous êtes en stage bloqué, parce que c'est une retraite, une véritable retraite spirituelle. Alors, à la fin, tout étant ayant été fait, il faut refermer ces portes. Les portes qui ont été ouvertes là, il faut les refermer, les sceller, les rendre inviolables. Et cette technique pour rendre ces portes-là inviolables consiste à vous conférer la capacité de ne pas forcément être atteint mystiquement, que vous soyez, n'est-ce pas, préservé des attaques des ténébreux. Mm-hmm. C'est ce que les autres appellent généralement le blindage. Et ce blindage-là, j'insiste, il est un blindage avec alarme. C'est-à-dire qu'il est de nature à vous avertir. Blindage avec alarme. Avec alarme, j'insiste, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il est de nature à vous avertir d'un éventuel danger du lieu où, qui existe, un danger pour vous, du lieu où vous vous trouvez. J'insiste là-dessus. Mm-hmm. Un blindage avec alarme. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez à un endroit, vous êtes averti de ce que cet endroit n'est pas bon pour vous. N'est-ce pas? Quand vous voulez vous lever pour aller quelque part qui ne sera pas bien, il vous avertit de ce que cette alarme, elle vous avertit que là où vous voulez partir, là, il ne faut pas y aller. Mmh. En plus, la capacité de voir, d'être averti, n'est-ce pas? Parce que désormais, le bandit ne rêve plus de manière ordinaire. Il est très, très souvent averti parce qu'il voit plus qu'il ne rêve. Donc, le bandit, c'est celui qui a fini l'initiation. Le bandit, c'est l'initié qu'on appelle bandit. Ah, c'est oui. Pourquoi tu commences toujours ces cris de guerre, si je peux le dire comme ça, par bandit? Bandit, n'y m'a qu'on n'a pas qu'à y aller. Aïe. C'est-à-dire que le bandit, c'est celui qui est devenu plus spirituel que physique. D'accord, donc, pour rester sur le blindage, dure-t-il éternellement ou il y a un renouvellement de ce blindage? Il y a un temps précis où ce blindage peut, peut être éternel si vous observez, si vous gardez les lois, vous gardez les interdits qu'on vous donne, les interdits comportementaux. Les interdits alimentaires, n'est-ce pas? Les interdits quant à votre vie de tous les jours. Parce que vous devez savoir que chaque médaille a un revers. Ah, dans l'intérieur, il y a même les interdits alimentaires, les choses que... Les interdits alimentaires. Tu ne devras plus manger. Tu ne devras plus manger. Par exemple, une femme bandit, chez nous, ne mange pas le poisson cellure. Par exemple. Le poisson qui n'a pas d'écailles. Le poisson cellure. Le poisson chat. Cellure, plus précisément. Il y a beaucoup de poissons qui n'ont pas d'écailles que nous mangeons. Ah, que les femmes mangent. J'insiste sur le poisson cellule. Ça, c'est un interdit parmi tant d'autres. Le bandit, de manière générale, ne doit pas manger le serpent, n'est-ce pas? Quand
il n'a pas encore l'âge de la grande vieillesse et où on ne lui a pas ouvert la possibilité encore, n'est-ce pas, de manger le serpent. Le bandi, par exemple, ne doit pas manger la genette, la bête qui nous sert, n'est-ce pas, de passerelle. Mm-hmm. Ça, c'est un interdit de mort. Dont on avait présenté sa peau ici. Voilà. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup d'interdits. Les interdits sexuels. Par exemple, il nous est interdit, pour des gens qui veulent vraiment garder la loi, de faire le sexe, de consommer le sexe pendant la journée. Mmh. Interdit de consommer le sexe pendant qu'une femme en période menstruelle. Ça, c'est des interdits parmi tant d'autres. Donc, il n'y a pas de fidélité à l'intérieur. Pas de. De fidélité. C'est-à-dire. C'est-à-dire faire pratiquer du sexe avec une seule femme, par exemple. Le bandi kombo est appelé à devenir polygame. Mmh. Normalement, un bon kombo doit avoir plusieurs femmes, parce que le ngosso, c'est beaucoup de travail. Mais sauf dans les règles. Dans les règles. Mais bien là, sûr, dans les règles. Les règles. Ce n'est pas pour voyager. Non. Mm-hmm. Mais je dois avoir beaucoup de femmes. Mm-hmm. Ma femme, bon, elle est encore seule. On ne sait pas si elle-même me donnera la terre. Elle va se rendre certainement compte un jour qu'il faut qu'elle me permette d'avoir une autre. Mais la plupart des communs, beaucoup de femmes. Parce qu'il y a énormément de travail dans un temple. C'est aussi pour ça que nous faisons beaucoup d'enfants. Parce que le ngosso demande du personnel. Parce qu'en réalité, le ngosso, c'est mimer le gouvernement céleste où chacun a un rôle, une partition à jouer pour l'aboutissement du rituel. Nous l'avons justement vécu au village Mignebeu, c'est une trentaine de personnes par là. Voilà, par exemple. Pour le culte Ngosso. Pour le culte Ngosso. Mm-hmm. Et personne ne joue le rôle de l'autre. C'est vrai qu'il peut y avoir interchangeabilité, mais en réalité, c'est des postes qui doivent être pourvus et occupés, animés du début jusqu'à la fin. Mm-hmm. Parlant des interdits, que ce soit alimentaires et autres, est-ce que les mêmes interdits sont applicables à tous les candidats, c'est-à-dire à tous les bandits après l'initiation? Ça veut dire que si, par exemple, la femme ne mange pas le poisson silu, est-ce que l'homme bandit, lui, peut manger le poisson? Non, c'est pour ça que j'ai précisé femme. L'homme, lui, en mange. L'homme, lui, en mange, n'est-ce pas? Vous devez savoir que la vie ancestrale, la vie de nos ancêtres, n'est-ce pas, avec des interdits de beaucoup de nature. Mm-hmm. Et les gens ont toujours essayé de fustiger les interdits alimentaires parce qu'il y en a qui ont facilement conclu que c'était parce qu'ils étaient gourmands. Non, que non. Mm-hmm. Or, c'est parce que, n'est-ce pas, vous savez que nous sommes ce que nous mangeons. Ou alors nous devenons ce que nous mangeons. Hein? Mais nous commençons par vivre de la vie des autres, n'est-ce pas? Nous mangeons des légumes. C'est-à-dire que nous vivons de la vie des plantes, n'est-ce pas? Nous mangeons, n'est-ce pas, du poisson. C'est-à-dire que régie, s'il vous plaît, la caméra sur Messi. Donc, et vous devez savoir que chaque chose étant un esprit, ou ayant un esprit d'une certaine manière, il y a ce qu'on appelle l'élémental, qui veut dire l'esprit de la chose. Il y a les élémentales minéraux, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous arborons des bijoux, parce qu'il y a une force spirituelle qui est dans les bijoux, dans les pierres, dans les métaux, que nous arborons comme bijoux, mm-hmm, n'est-ce pas? Mm-hmm. Il y a une vie spirituelle dans les plantes, n'est-ce pas? Il y a une vie spirituelle dans chaque animal. Et vous allez vous rendre compte que les animaux ont des comportements, donc des esprits. Et on sait se rendre compte que tel animal est craintif, mm-hmm, donc peureux, n'est-ce mm-hmm pas? Mm-hmm. Que tel autre animal est agressif. Par exemple, n'est-ce pas, mm-hmm, que tel animal est lourd, n'est-ce pas, pendant que l'autre est rapide, très agile, mm-hmm, très rapide, n'est-ce pas? C'est ainsi que, par exemple, nos ancêtres interdisaient que une femme qui est jeune, qui veut encore procréer, qui peut encore procréer, qui doit encore procréer, un enfant qui n'a pas le corps, l'esprit complètement fait, complètement constitué, ne mangea la vipère. Pourquoi? Parce que la nature spirituelle de la vipère est qu'elle est méprisante, elle est lourde, elle est lente. Mais très agressive. Non, l'agression vient après. D'accord. Encore que dans son agressivité, il y en a qui sont plus agressifs que lui. Mm-hmm. Par exemple, quand je prends dans la famille des serpents, le serpent qu'on appelle chez nous, ici, là, le naja, le cobra, le serpent noir, là, il est très agile. Avec la tête. Avec la tête qui mm-hmm se met souvent comme ça, là. Mm-hmm. Il est très agile. Il est très agressif.
Si on te dit que cette serpent-là avale souvent la vipère, tu ne vas pas forcément le croire, oui. Et ceci pourquoi? Parce que la vipère est dédaigneuse. N'est-ce pas? Quand ce serpent-là, ce serpent attaque la vipère en brousse, et l'avale, l'attaque, et parfois il commence à avaler la vipère par la queue. Mais pourtant, dit-on, le venin de la vipère est très, très, très dangereux. Les serpents s'entretuent. Le venin, c'est le venin. N'est-ce pas? Il est vrai qu'il y a des animaux qui sont dont le corps est immunisé contre le venin. Oui. Mais les serpents, entre eux, se mordent et se tuent par le venin qu'on lui inocule. Hein? Parce que le principe du venin, c'est de créer, la pourriture. N'est-ce pas? Et donc, le cobra avale la vipère. Oui! N'est-ce pas? Quand le cobra commence à faire ça, ce travail-là, la vipère est là, couchée, tranquille. Elle est calme, elle est dédaigneuse, elle pense que c'est la blague. Mais la vipère va se réveiller quand elle va sentir la bouche, n'est-ce pas? Au niveau, où il ne peut plus se défendre. Et donc, c'est cet état de choses-là qui faisait. Par exemple, puisque l'esprit de la vipère, dans cet état, dans cette nature-là de mépris, de dédain, de lourdeur, de pesanteur, n'est-ce pas, affecte facilement l'esprit d'un enfant qui est encore en train de se construire. D'accord. Donc, c'est parce que l'élémental du serpent vipère s'imprime sur l'esprit de l'enfant qui, n'est-ce pas, commence à manifester ses comportements de cette bête-là que sa mère a mangé, ou alors que l'enfant a mangé pendant que l'esprit est encore en construction. Parce que c'est parce que l'esprit se construit. L'esprit de l'être humain se construit jusqu'à l'âge à peu près de 25 ans. N'est-ce pas? C'est à partir de 25 ans que, d'ailleurs, même biologiquement, on dit que c'est après 25 ans qu'on ne grandit plus. Donc, l'esprit se construit encore. L'esprit se construit. Et même après 25 ans, l'esprit continue à se construire. C'est pour ça que, pour éviter, n'est-ce pas, que certaines influences négatives, n'est-ce pas, ne s'impriment, n'est-ce pas, et affectent l'enfant fortement l'âme en construction. On défend donc de manger. On dit, ne mange pas telle chose. Un autre exemple. Il y a des enfants, vous allez voir des êtres humains qui sont devenus adultes, des femmes, des hommes, des jeunes gens, qui, quand vous marchez à côté d'eux, ils émanent d'une odeur repoussante. N'est-ce pas? Ce n'est pas qu'ils sont sales. C'est juste que, il y a la beau se laver, se parfumer avec le parfum le plus cher, le plus fort. À un moment donné, cette odeur-là va reprendre le dessus. Parce que quoi? C'est une émanation qui sort de son âme. N'est-ce pas? Va commencer à se sentir mauvais. Et ça s'explique chez nous comment? Il y a un animal dans nos forêts qu'on appelle la civette. La civette, oui. N'est-ce pas? Qui est comme le chien. N'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent la civette dans nos forêts, savent qu'on sait reconnaître que la civette est passée par ici. Et on appelle ça grâce à son odeur forte. On appelle en boulot un timbanozoï. Parce que la civette chez nous s'appelle zoï. N'est-ce pas? Et là où le zoï est passé, il se torche sur certains pieds d'arbres. N'est-ce pas? Pour marquer son passage, son territoire. Et tout de suite, quand tu passes en forêt, même quand tu ne connais pas, tu vas sentir une odeur qui va attirer ton attention. Et nous qui savons, les gens du village qui connaissent, savent que c'est la civette qui est passée par là. On appelle ça un timbanin zoï. Alors, une maman ou alors un enfant qui se construit encore, à qui on donne la viande, la chair, la civette, n'est-ce pas, va commencer à avoir cette odeur-là et ça va le déranger. Pour le soigner, il va falloir faire beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Il faut encore rencontrer un initié qui sait comment le débarrasser, n'est-ce pas, de cette odeur-là. Il y a autant de choses. Donc, les interdits alimentaires n'étaient pas faits pour dire que les gens ne doivent manger parce qu'on veut être seul à manger. Ce n'était pas de la gourmandise. C'était juste parce qu'on voulait que l'enfant devienne un être accompli, un être sans trop de difficultés, qu'il soit un bel homme, parce qu'un être humain a une odeur. Chaque être humain a une odeur qui est un peu comme l'identité, un peu comme les empreintes, n'est-ce pas, digitales. D'ailleurs, les femmes savent de quoi je parle. Les femmes et les enfants savent que les femmes ont le nez qui est capable de sentir l'odeur de son homme. Une femme est capable de te dire, ça c'est l'odeur de mon homme. Exactement. N'est-ce pas? C'est pourquoi parfois pendant la danse sacrée ou après la danse sacrée,
chacun garder les émanations de l'autre à cette odeur là et tu peux faire la différenciation entre ton odeur et en plus de ça même une femme va savoir que cette femme mon homme a été ailleurs parce que elle va sentir que ce n'est plus il a été affecté parce qu'il y a eu un petit contact qui a fait qu'il y a eu une transmission d'électrons n'est-ce pas, d'électrons qui fait que l'odeur de l'autre arrive à la maison. Exactement. Alors le bandi, après l'initiation, toujours sur le plan du comportement dans la société avec les autres. Je vais prendre un exemple. Si quelqu'un était assez vulgaire, voyou, comme on le dit... grivois dans son comportement. Comme on le dit communément. Peut-être pas du fait d'être possédé par une âme errante, donc c'est-à-dire c'est sa nature. Il était malade. Voilà. Maintenant, une fois que il devient bandit, on est de nouveau un nouvel homme. Est-ce que automatiquement cette attitude en lui s'en va, ou alors c'est progressif, c'est radical, ou alors ça peut ne pas partir. Pour quelqu'un qui a véritablement voyagé. C'est-à-dire que quand le rite initiatique a été bien, 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 mais alors très bien conduit, et qu'il a véritablement vu l'au-delà, et qu'on lui aura montré, parce qu'on te montre qui tu es, on sait te montrer que ce que tu fais là n'est pas bon. Quand il rentre de là, ayant véritablement été instruit, éduqué, reformé là-bas, quand il rentre, il change. Parce qu'il aura compris que la vie qu'il menait avant n'était pas la meilleure, n'était pas la bonne, n'était pas la meilleure pour lui. Donc, lui-même va changer de comportement. As-tu déjà rencontré des cas de tétutesse quand même? Non, il y a des cas de tétutesse. Mais les cas de tétutesse, très souvent, on a l'impression que celui qui s'est fait têtu nous a menti. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, parce que la mendication du bois sacré est dure, n'est-ce pas? La mendication du bois sacré étant dure, il y en a qui se dérobent, qui font semblant d'avoir bien mangé. Et ils disent non, 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 ça va. Ou alors, il y en a même qui cachent le bois sacré parce qu'il sent très, très amer. Et il fait croire qu'il a subi le rite convenablement. Mm-hmm. Or, il n'a pas véritablement voyagé. Il vient vous raconter une histoire. Peut-être qu'il Inventée, bien sûr. Il a une histoire inventée. Et certainement qu'accoutumé au milieu des bandits, où on sait que les noms, il y a tel nom, il dit je suis revenu avec tel nom. Et dans les commentaires, justement. Je suis revenu avec tel nom, j'ai vécu telle chose, je viens y raconter une histoire comme celle-là. Mais on sera se rendre compte de ce qu'il n'a pas fait un véritable voyage par le fait que il va continuer à se comporter d'une certaine manière, n'est-ce pas? Il va continuer à agir d'une certaine manière qui va nous faire comprendre qu'il n'a pas véritablement voyagé. C'est ça que tu appelles les cas de tétutesse. Et ces cas de tétutesse sont dus au fait que quelqu'un n'a pas véritablement connu l'intégralité d'une initiation parce qu'il s'est dérobé, n'est-ce pas? Il s'est dérobé, il a usé de tromperie, il a usé de fourberie vis-à-vis des initiateurs. Bon, et ça fait que on aura l'impression que le travail n'a pas été fait. Or, quand le travail a été fait, quand quelqu'un a véritablement voyagé... Et que les candidats ont respecté toutes les épreuves... Oui, quand quelqu'un, quand le candidat a suivi, a respecté toutes les consignes, a accepté, traversé, bravé toutes les étapes, n'est-ce pas? C'est un nouvel être qui arrive. C'est la véritable naissance nouvelle. Véritablement, parce que il aura découvert l'autre côté et des lois nouvelles lui seront montrées. Il va comprendre qu'il faut qu'il change un certain nombre de choses dans sa vie de tous les jours. D'accord. Maintenant, sur le plan socio-professionnel, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que le bandit, après une initiation comme celle-là, il est possible que quelques temps après, il soit gradé, par exemple, au niveau de son service? Ça, c'est la première question. Est-ce que tu as déjà initié quelqu'un et trouvé justement qu'il était déjà sur son orbite, donc c'est pourquoi il est venu en mission sur la Terre
il y était déjà. C'est autant de questions qu'on se pose et qu'on aimerait savoir comment est-ce que sur le plan professionnel, ça se passe concrètement. Bon, avant d'aller là-bas, je voudrais d'abord ajouter une particularité. On a eu des cas de gens qui sont venus pour être initiés, qui étaient peut-être malades ou alors tout simplement qui étaient curieux. Et puis quand ils rentrent, parce que ça c'est pour parler un peu, rentrer un peu dans l'aspect social, n'est-ce pas? On lui montre par exemple son village. Il s'initie chez moi à Miyebe par exemple, et il est de chez toi à la Yabassi, n'est-ce pas? Et puis on lui montre son village à Yabassi. Et on lui montre tout le monde de son village à Yabassi. On lui montre qui est qui. On lui montre qui est capable de causer du tort, qui fait du mal aux autres. Non. Il sait désormais que mon village, là, il est comme ça. Vous comprenez que quand celui-là va arriver, s'il n'a pas suffisamment de maîtrise, ou alors s'il n'a pas été suffisamment instruit par son guide, par son maître initiateur, il va arriver, il peut se mettre à bavarder n'importe comment au village pour dire « Je connais tout le monde ici, tel est comme ça. » Ce qui est de nature à l'exposer. C'est-à-dire manque de maîtrise. Oui, manque de maîtrise. Ce qui est de nature à l'exposer davantage pour que il... Parce que là, il aura aussi donné des... Parce que parmi les choses qui peuvent briser le blindage, c'est que toi-même, tu te comportes de manière à ne pas respecter les lois. Par exemple, quand tu as ces choses-là, on te dit « Ne va pas provoquer les gens. » Par exemple, « Ne va pas provoquer les gens. » Moi, je suis blindé par contre le serpent, contre la morsure du serpent. Et ça, je le suis depuis très très longtemps. Mais ça ne m'autorise pas à aller attraper le serpent avec les mains. Même comme il y en a qui le font. Mais on te dit bien, parce que celui qui te blinde te dit, ça ne t'autorise pas à aller attraper le serpent. Comme on le dit souvent, il ne faut pas tenter le diable. Oui, il ne faut pas, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas parce que tu as vu des gens, ce n'est pas parce que tu as vu, tu sais dire que tel est comme ça, que tu vas te mettre à bavarder, à dire ça sur les toitures, aller crier sur les toits. Non, non, par exemple, il faut avoir de la maîtrise. C'est par exemple un cas. Et vous comprenez que du point de vue social, c'est un problème déjà. Ça devient un problème. Donc, il a l'obligation de se maîtriser, de maîtriser sa langue, de maîtriser sa bouche. Cependant aussi, il sait déjà comment les choses sont, il sait comment marcher avec les uns et les autres. Voilà. Maintenant, pour répondre un peu à tes questions, bon, je vais vous révéler ici, je pense l'avoir déjà dit, que j'entre dans les boutis. Comment? J'entre dans les boutis parce que j'ai une compagne qui veut l'enfant, qui veut accoucher, qui veut qu'on fasse un enfant, et l'enfant ne vient pas. Elle est passée par, nous sommes passés par beaucoup de fausses couches. Parmi, elle avait 6 fausses couches d'affilée. La dernière grossesse ayant été une grossesse de jumeaux, n'est-ce pas? À 4 mois, le premier enfant est sorti. Le dernier sort presque à 6 mois. Ce n'est pas les moyens qui manquaient. On avait énormément de moyens. Mon épouse était cadre supérieur dans une grande entreprise à l'époque. Moi-même, j'avais une entreprise florissante. Donc, ce n'est pas les moyens financiers qui nous faisaient défaut, n'est-ce pas? Alors, on veut un enfant. Elle veut absolument faire un enfant parce que l'homme-femme dit que « mon nyana kunyanda alouk », c'est-à-dire que c'est l'enfant qui est le pilier du foyer du couple, n'est-ce pas? C'est ainsi que elle veut absolument faire un enfant avec l'homme avec qui elle veut partager sa vie. En cherchant, on tombe chez quelqu'un qui ne nous dit pas ce qu'il fait, qui se met à la soigner, il passe par beaucoup d'étapes, les étapes préliminaires que nous faisons là, sans lui dire ce qu'il est en train de faire. Et à la fin du processus initiatique de ma compagne, de mon épouse, elle me dit, j'ai vu ma grand-mère, elle m'a donné un enfant, un garçon. Cet enfant, aujourd'hui, est âgé de 22 ans. N'est-ce pas? Et il est en troisième année de droit à l'université de Bolva. Cet enfant-là, un garçon que sa grand-mère lui avait donné. Elle me dit, on m'a nommé chef de service. Elle avait déjà fait 22 ans de service. Dans cette entreprise-là, où elle n'avait jamais bénéficié de la moindre mission, même dans la ville. N'est-ce pas? Elle me dit, Martine, Paté m'a nommé chef de service. J'ai vu, on m'a nommé chef de service. Ça, c'est ce qu'elle a vu là-bas. Elle a vu cette promotion là-bas.
Elle revient et me dit, on m'a nommé chef de service. 3 mois plus tard, elle est d'abord promue chef de bureau. 6 mois plus tard, elle est promue chef de service. Attention. Attends. Ça attire ton attention. Entre-temps, je suis séminariste depuis plus de 8 ans. J'apprends la théologie, l'angéologie, tout ce qu'on vous raconte là-bas. Je connais ça à travers des lectures. Elle me dit, j'ai vu les anges. Tu as vu quoi? Il faut que je fasse cette histoire-là. Il faut que je découvre par moi-même. C'est comme ça que j'ai décidé, moi aussi, de m'initier. Et que je découvre que c'était un appel pour moi. En fait, on m'attendait. C'est pour dire que la question que tu poses, effectivement, des gens, ils ramènent des choses. D'ailleurs, il y en a qui s'initient pour aller chercher, n'est-ce pas, des meilleures positions sociales, des meilleures positions en entreprise, dans le couple, en famille, n'est-ce pas? En plus de rechercher la guérison, n'est-ce pas? En plus de rechercher l'élévation spirituelle. Et même la progéniture. Hein? Et même la progéniture, c'est de ça qu'il vient de parler tout à l'heure, là, n'est-ce pas? Hein? Alors, on y va pour beaucoup de raisons, n'est-ce pas? On peut y aller motivé par une raison spécifique et aller découvrir d'autres choses. Quand mon ex-épouse dont je vous parlais tout à l'heure, là, n'est-ce pas, a eu cette promotion, elle n'y est pas allée pour ça, elle y allait pour l'enfant. Mais est-ce qu'on va dire que c'était un bonus? Je ne sais pas. Est-ce que c'était des bonis? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais que c'est des choses qu'on peut ramener, qu'on ramène souvent, n'est-ce pas? Le cas du jeune homme qui est arrivé, qui a été initié récemment chez moi, là, n'est-ce pas? C'est un sportif, un footballeur, qui a eu un accident, n'est-ce pas, de parcours, et il a été rétrogradé d'une division, de la première à la cinquième division. La cinquième division, voilà, récemment il est passé par toi, donc tu connais l'histoire, n'est-ce pas? Et il avait des problèmes à son genou droit, n'est-ce pas? Pendant son initiation, il a vu comment l'opérer. Il est allé à l'hôpital Evanga, c'est-à-dire mon hôpital mystique, parce que j'ai un hôpital mystique, on appelle l'hôpital Evanga, n'est-ce pas? Il a vu docteur Njikoy, mon docteur, le docteur que je suis de l'autre côté, n'est-ce pas, qui l'a amené en salle au bloc opératoire, où on a opéré, n'est-ce pas, sa jambe, son genou. Il vivait l'opération étant sur la natte, n'est-ce pas? Il dit, on est en train de toucher son pied, on a tiré, on a fait, et on a encore touché d'autres parties de son corps. Et quand l'initiation est finie, n'est-ce pas, quelques jours, parce qu'on a encore fait à peu près un jour, deux, après l'initiation, je le vois qui essaye. Il dit, il se met sur la jambe gauche, sur la jambe droite, il lève la jambe gauche, il se met, il balance un peu, il se met à balancer à gauche, à droite, il dit, mais je ne pouvais plus, je ne parvenais plus à faire ce mouvement. Comment? Donc cette histoire était réelle comme opérée. Donc, le boutique, c'est une autre chose. J'ai même appris que il a joué un petit match de foot là-bas où il a marqué même 5 buts. Ah bon? Il m'écrit cela 3 jours pour me dire que son premier match de ligue, il est passé. Il pense que c'est de ce match-là dont tu parles. Je m'apprêtais aujourd'hui à l'appeler pour lui demander comment s'est passé ce match-là. Bon, depuis, il m'a juste dit qu'il allait jouer ce match-là, mais je n'ai pas encore eu des nouvelles pour savoir comment ce match-là s'est passé. Déroulé. Si toi, tu me dis qu'il te dit qu'il a eu. Tant mieux, n'est-ce pas? D'accord, maintenant sur le plan spirituel, comment est-ce que le nouveau Bandi vit désormais la spiritualité, sa nouvelle spiritualité après son initiation? Oui, tout s'entretient, n'est-ce pas? J'avais parlé ici même d'un robinet qui est connecté, n'est-ce pas, au grand réseau d'alimentation en eau, dans la ville, dans le quartier, dans le village. Et puis ce robinet-là, qui est supposé distribuer de l'eau, décide, le propriétaire décide de le fermer, de le garder fermé. Il se contente de dire, j'ai un robinet qui peut servir de l'eau. Mais jamais il ne sert de l'eau, n'est-ce pas? Dans ce robinet-là, qui ne s'ouvre pas pour servir de l'eau, il va rester une goutte d'eau. Cette goutte d'eau va commencer à tarir au fur et à mesure que le temps passe. Cette goutte d'eau va commencer à devenir impure parce que souillée par la rouille, ce robinet va finir par se fermer parce que la rouille va bloquer le robinet. C'est-à-dire que les acquis de l'initiation, les acquis spirituels de l'initiation demandent à être entretenu, parce que les veillées de l'esprit voudraient qu'on continue à nourrir cet esprit pour qu'il grandisse, parce que l'esprit est destiné à grandir.
C'est pour ça que le nouveau bandit doit régulièrement, n'est-ce pas, si possible, assister à des ngosso, ou alors prendre part, même à distance, à des ngosso, contribuer à l'organisation des ngosso. Nous devons lui donner, lui partager de la musique, n'est-ce pas, et l'enseignement, n'est-ce pas, du bouti, qui est un mode de vie. C'est pour ça que nous disons que le bouti est une spiritualité et la vie africaine a toujours été une spiritualité en mode continu. Mmh. Donc, on entretient tout acquis doit être entretenu et vivifié pour qu'on grandisse. Il ne faut pas se contenter de s'arrêter. La loi dit, c'est une règle qui n'avance pas, recul. Il y a beaucoup de nos frères justement qui viennent de l'étranger et qui vont s'initier au beauty. Maintenant, une fois qu'ils seront bandits et qu'ils vont rentrer, comment l'entretien va se faire à distance, puisque je ne suis pas certain que l'ongoso justement se fait de l'autre côté là, du moins pas encore. À ce moment là, comment est-ce que le bandit qui sera de l'autre côté va nous suivre, va entretenir, va garder sa connexion? Exactement. La connexion, c'est avec son père initiateur, avec ses parents initiateurs, qui doivent d'abord le guider par rapport aux visions qu'il va souvent avoir, parce qu'il doit avoir des règlements des visions, n'est-ce pas? Ce qui est un peu embêtant, pas un peu, qui est même beaucoup embêtant dans le fonctionnement du monde actuel, c'est que les Occidentaux ont tout fait pour empêcher que les Africains vivent leur véritable spiritualité. C'est ainsi que, par exemple, le bois sacré, sur lequel ils organisent tellement de recherches, ils empêchent que les Africains puissent se déplacer avec leur bois sacré là où ils sont. Et ce que moi, je préconise et que j'ai l'habitude de faire, par exemple, c'est que les bandits qui viennent vers moi, par exemple, la sœur dont j'ai parlé, la sœur Mbiamayanga, n'est-ce pas, je me suis arrangé à lui donner des outils pour qu'elle puisse prier elle-même. Et avec de la musique, on lui donne la musique, on lui donne les codes, on lui dit, voilà comment on invoque. On écrit, on fait un papier. Hein, on dit, voici comment parler à ton Dieu. J'ai ce papier-là, à Kobia Bouti, parler à Dieu. Je le fais en ma langue et je traduis en français. Comment est-ce que tu invoques? Comment est-ce que tu déroules ta généalogie avant de commencer à parler? Tu dis, moi tel. Tu venais de donner ton adresse de naissance. Après, tu dis ton adresse de naissance spirituelle. Tu dis, j'ai mangé le bouti, j'ai mangé les bogas entre un tel et un tel. C'est comme ça que tu donnes ce code-là qui va te permettre de te connecter. Donc, c'est déjà une façon d'entretenir cette spiritualité. Donc, on te donne des techniques de prier, des prières, n'est-ce pas, qui font que quand tu as un souci, tu pries. Ou alors, tout simplement, tu dis merci Seigneur pour telle chose qui m'est arrivée, ou alors j'ai telle aspiration, et de temps en temps, tu te connectes parce que nous avons de la musique. D'ailleurs, même on la télécharge, n'est-ce pas? Oui, justement. Dans beaucoup de sites là, n'est-ce pas, les réseaux sociaux, mais aussi la nôtre, parce qu'on doit t'expliquer ce que veut dire les chansons que tu chantes, les danses que tu danses, comment, dans quelle posture prier. Donc, toutes ces choses-là, c'est une formation qui doit continuer, ça ne s'arrête pas. Donc, c'est quand on a initié quelqu'un tel que ça s'est passé là, il y a une continuation en termes de fonction, en termes de formation, d'enseignement, et c'est ça qui va permettre que tu continues à nourrir ton esprit qui doit grandir. Si tu as un souci, tu peux commander à distance un gosso. De temps en temps, tu peux aussi, même après un an, même après deux ans, de temps en temps, tu t'efforces quand même à assister un gosso. Il y a même une autre forme de fonctionner, une façon de fonctionner. On peut recevoir une vidéo qui te permet, n'est-ce pas, de suivre comment on prie. Tu te connectes et tu pries. Tu te connectes, tu regardes les images. Quand on te les a expliquées, tu sais quoi faire à quel moment. Parce que chaque chanson qu'on chante pendant l'ongoso n'est pas une chanson d'animation. N'est-ce pas? Chaque chanson appelle un esprit qui permet de gérer tel problème. Voilà. D'accord. Après combien de temps un bandit devient un wab no beauty, c'est-à-dire un grand prêtre beauty? Est-ce que le bandit, tout de suite après l'initiation, peut commencer à faire déjà des opérations, par exemple? Le bandit n'est pas forcément appelé à faire des opérations là tout de suite. Il y a l'apprentissage.
il y a la formation, il y a la consécration. Mm-hmm. Il faut attendre d'être consacré. Et la consécration passe par l'élection. Et cette élection n'est pas physique, cette élection est spirituelle. C'est ainsi que, pour qu'on nous attache la corde rouge, il faut qu'on te l'ait attachée de l'autre côté, que tu vois comment on te l'attache de l'autre côté. Si tu viens mentir, on saura vérifier que tu as menti. Mmh. Oui, on saura vérifier que tu as menti. Donc, l'élection vient de l'autre côté, l'élection pour devenir WAB. Mmh. N'est-ce pas? Vient de l'autre côté. C'est quelque chose que tu vis de l'autre côté. On peut passer à travers toi-même, on peut passer à travers un de tes papas. Donc, l'un de tes parents qui dit, cet enfant, il faut déjà l'élever à. Il faut déjà donner... Par exemple, moi, je me souviens dans mon cas, parce que chez moi, c'est allé très, très vite. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas toujours une affaire de temps. Ce n'est pas toujours une affaire de temps. C'est une affaire d'élection, c'est une affaire de choix. Mm-hmm. Bon, il se trouve que, dans mon cas particulier, j'étais déjà une âme suffisamment avancée. J'étais déjà une âme suffisamment avancée, c'est ce qu'on appelle une vieille âme. Mm-hmm. C'est ainsi que, à peine j'ai rencontré le Bouti, 3 ans après, j'ai reçu l'élection pour recevoir la corde rouge. Ça fait jaser dans le milieu des boutistes qui disaient que c'est parce que si j'ai de l'argent que j'ai acheté la consécration. Ce n'était pas ça. D'accord. Et ça fait que beaucoup ont voulu me manquer de respect par rapport à ça, mais par rapport au comportement et au résultat des travaux que j'ai commencé à faire, parce que mon père a commencé à m'impliquer dans les choses, mais surtout aussi à l'engagement. Ton père spirituel. Oui, bien sûr. Et aussi à l'engagement, l'implication, n'est-ce pas, la contribution dans le développement du Bouti, que les gens, c'est pour ça qu'on parlait de, je disais que on devient un être nouveau, on devient un homme nouveau. Les motivations de vie, n'est-ce pas, changent. Et dans mon cas, ça fait que j'ai commencé à vraiment chercher, vraiment travailler pour connaître davantage ce que je fais et mériter mon statut de prêtre. Hein? Parce que, en réalité, on peut devenir prêtre sans avoir appris, mais on ne sera pas un bon prêtre parce qu'on ne saura pas utiliser les pouvoirs, les arguments, les acquis, les atouts qu'on vous aura donné, le pouvoir qu'on vous aura transmis. Il faut être capable de l'utiliser. Alors, j'ai commencé, n'est-ce pas, à m'impliquer, à beaucoup travailler, et j'ai profondément assumé le Bouti. Par exemple, je vais te révéler, frère Niamsi, que je suis le premier Camerounais qui a déclaré publiquement dans une chaîne de télévision publique que j'ai fait l'Iboka, ce qui était un sacrilège à cette époque. Tant du point de vue de l'opinion générale que du point de vue du milieu des boutistes eux-mêmes. Il y a eu des boutistes, des maîtres boutistes, avant moi, longtemps avant moi, qui ont eu la possibilité d'aller aux médias, mais ils se présentaient toujours comme étant des guérisseurs traditionnels, mais ne parvenant jamais à assumer leur statut de prêtre boutiste. Je me souviens, c'était en l'an 2010, en novembre 2010, à la chaîne de télévision nationale qu'on appelle la CRTV, j'étais le premier à dire, je fais les Boka. Ça fait jaser dans le milieu des boutistes. Ça fait jaser dans l'opinion. Donc, quelqu'un dit à la télé qu'il fait les boutiques, qu'il fait les Boka. Ça fait peur aux gens. Un peu comme quand quelqu'un venait dire à l'antenne que je fais du vaudou. Par exemple, n'est-ce pas? Alors, ça c'était montrer mon engagement parce que je le suis depuis toujours, jusqu'à ce jour-ci. Et je suis si engagé, je suis autant engagé parce que je vis le Bouti à moi à chaque instant. Alors, dans la même année 2010, j'ai eu la consécration pour être élevé au grade de grand prêtre. Parce qu'il y a le prêtre et il y a le grand prêtre. Donc, où on m'a revêtu de la tunique jaune, la tunique or, n'est-ce pas? Où on m'a dit, j'ai vu dans la vision, on a dit dans ce rêve-là, Vanemonina Nkin Eboka. Nkin Eboka. Nkin veut dire la troupe. N'est-ce pas? Donc, c'est une façon de me donner déjà une assistance. N'est-ce pas? La même année encore, on me donne maintenant le pilier, le poteau.
Parce que en réalité, le temple porte un nom. C'est le nom d'un esprit. Et cet esprit est dans le poteau. Et on m'a montré, voici l'essence dans laquelle on va faire le poteau consacré qui sera le grand centre d'énergie, le phallus, qui reçoit les énergies de ton temple. C'est depuis 2010. Nous sommes en 2024 aujourd'hui. Mais c'est maintenant que je me prépare donc à faire descendre, implémenter, n'est-ce pas, toutes ces choses-là. J'étais déjà grand prêtre, j'étais prêtre, j'agissais beaucoup plus comme un prêtre, mais en réalité, c'est des choses qui arrivent avec l'élection spirituelle. D'accord. Donc, ce n'est pas une affaire de temps. Ce n'est pas forcément une affaire de temps, c'est une affaire d'élection. D'accord. Quand on a l'appel, et que suite à l'appel, on est élu pour faire, pour faire, pour faire, pour faire. C'est ainsi qu'aussi, après l'initiation, il y en a qui naissent avec leurs dons. J'ai parlé ici, n'est-ce pas, des vocations, n'est-ce pas? Après l'initiation, la vocation qu'on vous révèle pour les enfants jeunes, n'est-ce pas? On vous dit, par exemple, ma fille, je sais déjà à peu près comment l'orienter par rapport à l'école. Elle a 6 ans, elle est très éveillée, très intelligente, elle va au cours élémentaire, première année, n'est-ce pas? Parce qu'elle a été surclassée dans son école. Mais je sais désormais que son école, elle va avancer à ce niveau, il faut qu'elle prenne tel virage, par exemple, n'est-ce pas? Les jeunes gens, un peu comme on voit les conseillers d'orientation scolaire dans les lycées, dans les établissements scolaires, n'est-ce pas? Le bouti le fait à travers l'individu lui-même, n'est-ce pas? Où on lui dit, tu vas faire telle chose, tu vas faire telle chose. Mon fils qui a 22 ans aujourd'hui, il porte bien la corde rouge à un certain degré, n'est-ce pas? Quand il avait l'âge de 4 ans, je l'ai fait initier. À la fin de l'initiation, il dit, papa, papa. C'est comme ça qu'on l'appelle, que les gens nous ont habitués à. On était habitués à appeler comme ça. J'ai vu Saint-Michel, il m'a appris le jeu de la bagarre. Il avait 4 ans. C'est-à-dire qu'on lui a appris les arts martiaux. N'est-ce pas? Il fait les arts martiaux. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de choses sur sa vie que je connais, bon, mais que j'implémente au fur et à mesure. C'est pour dire que, pour cette initiation, quand on est un enfant, quand on est un adolescent, ça permet de mieux s'orienter, de mieux orienter sa vie pour que ce qu'on va faire épouse son esprit. C'est ce qu'on appelle la vocation. Parce que c'est dans la vocation qu'on fait les choses avec amour. C'est quand on a la vocation qu'on fait un travail, qu'on exerce une profession avec passion, avec amour. Quand on n'a pas de vocation, on ne peut pas avoir de la passion pour son travail. Exactement. N'est-ce pas? Et maintenant, quand on est un adulte et que, n'est-ce pas, on vient connaître l'initiation étant déjà âgé, on va juste se réajuster au fur et à mesure, parce que on ne peut plus tout, on ne va pas tout chambouler du jour au lendemain. On y va progressivement. D'accord. Une dernière question pour sortir, parce que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Alors, comment reconnais-tu un bandit? Et comment un bandit peut-il reconnaître un grand maître Vichy, par exemple? Si c'est un bandit qui ne vient pas de ton initiation, par exemple, c'est-à-dire tu pars d'ici pour Ebolo, par exemple. Oui, par exemple. Comment reconnais-tu un bandit et comment un bandit peux-tu reconnaître un grand maître également? L'homme bandit, de manière générale, met toujours le chapeau, par exemple. L'homme bandit met toujours le chapeau? Les bandits couvrent très, très souvent la tête. Très, très souvent la tête. Parce que à tout moment, il peut lui arriver de devoir faire quelque chose. Et nous, quand on prie, on doit couvrir la tête. Mais naturellement, il y a des gens qui aiment porter le chapeau et qui sont toujours en chapeau. Je ne fais que commencer. D'accord. Je ne fais que commencer. Ça, c'est par exemple un premier signe. D'accord. N'est-ce pas? L'homme bandit a des comportements. L'être humain. Tu as dit qu'il porte toujours le chapeau. Pourquoi? Pour deux choses. La première chose, c'est la couronne. Pour couvrir, protéger la couronne, le chakra. La frontanelle, le chakra coronal, n'est-ce pas? Et il peut lui arriver de devoir faire quelque chose de sacré, de mystique, et comme pour avoir la connexion, il faut se cacher la tête, il faut se couvrir la tête, il faut être toujours prêt. Nous devons toujours être prêts, n'est-ce pas? Mais les bandits ont des comportements bizarres. Entre eux, ils savent se rendre compte que celui-ci, il va s'approcher, il va commencer à poser des questions, genre, n'est-ce pas? Et à la fin, il va se rendre compte qu'il ne s'est pas trompé.
Parce qu'il y a des codes comportementaux. Comme un militaire en tenue peut facilement reconnaître un militaire en civil, par exemple, à travers sa démarche, à travers comment est-ce qu'il est bâti. Oui, à travers sa prestance. Mm-hmm. Comment il est, tel qu'il se comporte, tel qu'il est. Mm-hmm. C'est-à-dire que son comportement, sa façon d'être, sa façon d'agir, sa façon de s'asseoir. Je me souviens, j'étais parti à Baham, à Banka. Et à Banka, j'étais allé accompagner un de mes filleuls dans le cadre de, à l'époque où je vous disais, j'étais prêtre, chrétien catholique. Je suis allé l'installer en tant que supérieur à l'époque. Je suis allé l'installer chez lui après. Et maintenant, le chef de son quartier, de son village, avait été convié à la cérémonie d'installation et on a prévu un buffet. Pendant le buffet, on m'a envoyé en tant que supérieur me servir, manger et boire. Je me suis comporté d'une certaine manière. Moi, je la faisais parce que partout où je pars, je suis à mon initiation par devers moi. Mm-hmm. Et mes gestes initiatiques, je les pose partout où je pars parce que c'est ça qui fonctionne avec mon esprit. Mm-hmm. Alors, le chef, je n'ai pas fait attention à lui. Moi, j'ai posé mes actes. J'ai posé mes agis, il ne savait pas comment observer. Quand le chef m'observe, il s'est levé lui-même. Il s'est approché de moi. Il me dit, ce que tu fais là, c'est quoi? Je lui dis, bah, je fais les choses de chez moi. Ça, c'est l'initiation de chez moi. Je pose des actes par rapport à comment je vis chez moi. Mm-hmm. Ça, c'est les choses de l'initiation par rapport à moi, chez moi. Il me dit, ce que tu fais là, ce n'est pas des choses, c'est des choses que les Africains bien formés seuls sont capables de faire. Je dis effectivement, moi, je suis un Africain bien formé. Mm-hmm. Et les arcanes africaines, je les connais d'une certaine manière. Ça m'a valu d'être notabilisé. Ah, ça c'est bien. Ouais. Ça m'a valu d'être notabilisé à Banka. Oui, j'ai été notabilisé à Banka. À Baham. Donc, les initiés, pas forcément du bouti, savent se reconnaître. Ils savent se reconnaître. Mm-hmm. À travers des gestes, à travers des petites choses. Il y a quelque chose qui va montrer à l'autre que celui-là n'est pas totalement simple. Puisque de toutes les façons, le tronc commun est le même. Oui, en plus de ça. En Afrique, surtout. Mm-hmm. En Afrique, surtout. D'accord, voilà frère. Merci infiniment pour cet entretien. Et une fois de plus, bon retour. Ouais. Parmi nous. Oui, retour parmi nous, parmi vous. Bon, mais je continue à être entre le village, entre le site, n'est-ce pas, de Mezimbaka A2M, mm-hmm. c'est-à-dire Mezimbaka, Angomombe Begambembe, c'est le nom de mon temple, Mezimbaka Angomombe Begambembe, Mezimbaka qui veut dire le pilier, qui veut dire le phallus, réceptacle de la vie, n'est-ce pas, et pour l'amour divin, fraternel, éternel. C'est ça que veut dire Mezimbaka Angomombe Begambembe. Donc, je suis entre Mezimbaka Angomombe Begambembe, que j'abrège en Mezimbaka A2M, n'est-ce pas? Je suis toujours entre Mezimbaka A2M et Yaoundé, parce que je continue à, n'est-ce pas, poser, n'est-ce pas, les pièces pour que le puzzle soit tout à fait complet. Complet, mm-hmm. n'est-ce pas, d'ici quand la grande période de reconnexion va arriver pour nos frères qui viennent d'ici et de là, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mm-hmm. Voilà, donc merci une fois de plus. Ça veut dire que si mercredi prochain, nous ne t'avons pas dans ce studio, on va comprendre que tu es c'est vrai du côté que je du village. Oui, effectivement, mais c'est vrai que je vais m'efforcer à être là. Et si je n'y suis pas là, certainement qu'il y aurait eu un empêchement. Mais mon cœur est avec vous. Mon cœur est avec tout le monde. Voilà. Merci infiniment à toi. Merci infiniment à tous ceux qui nous ont regardés ce matin. C'est toujours un plaisir d'être sur les antennes de Kemet Télévision pour vous diffuser toutes les connaissances et toutes les sciences à notre disposition. Donc, on va se retrouver très certainement demain avec le frère Tote Abonné qui se remet peu à peu de sa grippe. Et vendredi, ça sera Sa Majesté Wendo Mabou qui prendra le pouvoir sur les antennes de Kemet Télévision. Je vous prie de vous abonner massivement, de cliquer sur la cloche de notification sans toutefois oublier de partager
au maximum et puis continuez de vous inscrire, n'est-ce pas, à travers l'onglet description pour être des super fans de Kemet Télévision et contribuer pour le rayonnement de cette chaîne à travers 5 euros pour ceux qui sont en Europe et 5 dollars pour ceux qui sont sur le continent américain. Vous avez déjà toutes les coordonnées, n'est-ce pas, pour faire vos transferts. Donc, merci une fois de plus et à très bientôt pour une nouvelle édition. Salut, salut, salut. Triple tape à vous. À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour que Kemet Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro plus 237 695 84 53 89 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Kemet Reconnexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. Bandi ma komanda ngabo kai.